Et oui, bonjour à tous, bonjour YouTube, comment allez-vous? Nouveau Let's Play aujourd'hui, on va jouer au Pokéfiron, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien se passer. Ça fait fort longtemps, et oui, Clovinux de retour dans le chat. Oh, il y avait un message dans le chat de Keken. Attendez, je fais un copier-coller. Bonjour YouTube, hein, vous inquiétez pas. Il y avait un message de Keken, mais qui a... Attendez, hop, copier. Coller. Voilà. Regardez, petit message de Keken. Allez, c'est parti, on va jouer, on va découvrir le jeu. Alors, lorsque vous utilisez un Joy-Con, attachez la dragonne. Oh, mais ça m'emmerde. Je tiens ma manette fermement, tout va bien se passer. Ah, j'ai bien fait de lancer la VOD, petite cinématique, là. Oh, kawaii. Putain, je commence déjà, désolé. Oh là là, ce petit Evoli. On joue à Pokémon Let's Go Evoli, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Choisissez une langue de votre jeu. Il y a polonais. Malheureusement, on va devoir jouer en français, du coup. Oh, bon, franchement, c'est rouge, en plus. Donc ça, déjà, point positif. On lui met déjà 18 capsules. Allez, on commence le Euge. J'espère que ça va bien se passer. Tu remarqueras que devant la télé, il y avait le Joy-Con bleu uniquement. Oh putain, moi, j'ai rien. J'ai regardé autre chose. Ah, c'est Professeur Chan, je le connais. Eh bien, le bonjour! Eh bienvenue dans... Ah non, faut lui faire une voix de vieux. Eh bien, le bon... Je sais pas faire la voix de vieux, en fait. Eh bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon! Oh oui, alors, il aura cette voix, Professeur Chan. Mon nom est Chan, mais les gens m'appellent amicalement le Prof Pokéfion. Oh, ce monde est peuplé de créatures appelées les Pokéfions. Et ces Pokémon, vois-tu, certains adorent les chouchouter. Oh, regardez, je les connais tous! Un psychoquac, un osselet, un onyx. J'ai fait l'étude des Pokémon, ma profession, oui. Mais assez parlé de moi. Dis-moi un peu plus sur toi, mon tout petit ami. Oh, nice. Oh, c'est joli, c'est beau, hein, quand même. Oh, regarde à quoi je ressemble. Ah ouais, j'ai plutôt des cheveux gris. Oh là là, par contre, je suis pas très bronzé. Oh, vous en pensez quoi? Je mets les cheveux comme ça ou plutôt plus gris? Parce qu'en fait, à la caméra, ça va, mais dès que je me coupe les cheveux, moi, les seuls cheveux que je vois par terre, c'est des cheveux gris et blancs. Poivre et sel, on dit, dans le jargon. Oh, est-ce que j'assume mon côté poivre et sel? Ça ressemble à un blond, le second. Ah, moi, je vois pas. Sur mon écran, avec 15% de luminosité, ça fait gris. Donc, on va prendre celui-là. Ah, sinon, je peux jouer une femeuf. Oh là là, une petite femeuf. Très bien. Bon, maintenant on va jouer lui alors. Merci Pirate pour son expertise. Ah mais il a les yeux bleus. Ah ouais, moi j'ai regardé que la couleur des cheveux. Et comment t'appelles-tu? Caneglan. Enfin, Canevan pour les intimes. Enfin, pour les noms intimes du coup. Ok. Ah, c'est chiant. Alors là, on serait content d'être en tactile. Je peux pas utiliser mon... Ok, plus. Plus et plus, toujours plus chez Canal+. Je vois, tu t'appelles Canevan. Oui. Incroyable. Oh, j'ai beaucoup de nostalgie d'un coup. Oh, regardez, c'est mon premier Pokémon. Oh, lui, c'est mon... c'est mon ennemi, comment on va l'appeler? Ah, et ce garçon. Vous êtes amis et rivaux depuis votre plus tendre enfance, n'est-ce pas? Oh, c'est Stan Ectaprod. On va l'appeler Stan Ectaprod. Ah, ça va passer? J'ai hésité, je voulais mettre Pirate Keken. Mais à la fois, c'est mon ami toujours, Stan Ectaprod. Alors, on va mettre Stan Ectaprod. Je me casse des cours et je reviens dans une heure. Ok, Foxyou, des zoubis. Alors, à toutes. On va l'appeler Stan Ectaprod. Est-ce qu'on peut faire les arrobases? Non. Oh, je peux pas mettre un arrobase. Il va me détester, mais en même temps. Alors, du coup, je vais mettre une majuscule. Ça, c'est dégueulasse. Stan Ectaprod. Le T. Où est le T? A, B, C, D. Ok. On a à peine commencé, c'est déjà n'importe quoi. Alors, finalement, on va peut-être s'amuser sur ce jeu. Ah. Oh, Stan Ectaprod. Ouais, ils y sont, mais regarde, il est grisa. Je peux pas. Stan Ectaprod. Très bien. Oh, 12 sur 12.
Est-ce que je peux pas trouver autre chose? Attendez. Avec. Avec LR, je pouvais pas faire gauche et droite? Non. Ah oui, je l'appelle Stan pour le faire râler. Putain, ouais, ça c'est bon ça. Bon, alors voilà. Stan Ectaprod. Oui, 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 c'est lui. C'est bien lui. Mon rival, mon ami et rival de toujours. Putain, j'aurais dû mettre mon t-shirt Ectaprod. Mais oui, c'est bien Stan Ectaprod. Appelez-le Stan. Putain, quel enfer. Incroyable. Kenneven. T'inquiète, des Pokémon est sur le point de commencer. Est-ce que c'est bon niveau son? Est-ce qu'on met plus de son du Euge? Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Bonne chance. Merci. Ah, c'est la musique de Zelda, je reconnais. T'as un... Ah, plus maintenant, par contre. Ah, c'est vrai que le Joy-Con bleu est là. On va aller dans le dock, comme en vrai. Que se passe-t-il? Je suis dans le Euge. Et bien, on va se battre pour le nom des Pokémon. Tout à fait, pirate, bien vu. C'est bien comme ça le son. Parfait, merci. Wow. On va tout regarder. Combien de Pokémon peut-il bien y avoir dans le monde? 151 actuellement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sur mon computer. C'est un email de Stan Ectaprod. Ah bah voilà, il va commencer des... il commence déjà à râler. Salut Kenevan. Tu commences à faire chier. Pourquoi tu te fous de ma gueule comme ça? Au fait, on prononce Stan et pas Stan. Appuie sur le bouton A et va te faire mettre. D'accord. Appuie sur... Merde, j'aurais dû regarder. Expo. J'ai pas lu. J'aurais dû. Oh, une petite... C'est une peluche en forme d'Evoli. Elle est toute douce. Oh, y a pas le... J'ai pas une potion dans l'ordinateur. C'est une Nintendo Switch. Elle est branchée à la télé. Très bien. Bon, allez, on se casse. Ah, y a 152. Oh, putain, Stan qui est comme chez lui. Yo, c'est moi. Ah, pour activer n'importe quoi, X pour sauvegarder. Merci. T'es debout, Kenevan? Je monte. Eh, attends, je suis pas habillé. Oh putain, bah heureusement que j'avais enlevé mon pyjama. Salut. Ah, tu devrais voir ta tête. Tu viens d'émerger ou quoi? Ah, c'est bon. Oh, tu rêvais fort à de petits Pokémon. Flash info, mon pote. Arrête de rêvasser. Secoue-toi le popotin et t'en auras un. Ah, j'ai eu peur. T'as oublié ou quoi? Aujourd'hui, on doit aller voir le professeur Champ pour recevoir nos Pokémon. Ah, c'est le grand jour. On va enfin devenir dresseur. Ah, et au fait... Je sais pas si t'as vu, mais je t'ai envoyé un email hier. J'ai dit un oeil avant de partir. Bah, c'est bon. Si tu l'as pas... Mais si, bon, c'est... T'inquiète. Ah oui, mais pour m'habiller. Oh, mais oui, mais vous... Voilà. Bon, je fonce. T'attends, c'est le professeur Champ. Allez, on va aller chez le professeur Champ. Vous m'avez compris, hein. Bonjour en Nuzlocke Challenge, évidemment. Un seul Pokémon capturé par zone, c'est le premier qu'on voit uniquement. Et si un Pokémon est KO, on peut plus l'utiliser. Il y a un film à la télé. Un garçon aux cheveux bruns brandit une baguette magique. Bon, ouais, ça va t'en aller. Ah, c'est Harry Potley. Ah, bonjour, maman. Allez, hop. Il est grand temps que t'ailles voir le professeur Chan. Si j'ai bien compris, il compte vous donner un Pokémon. Ouais, ok. Merci, maman. Un petit café? Petit café. Petite feed. Oh, c'est une tasse avec une marque de Pokémon. Ah, moi j'ai une tasse avec une marque de Nectaprod. Ça n'a rien à voir. Oh, c'est fatigant ce jeu, hein. Moi je trouve que je suis déjà extrêmement fatigué. Bon, c'est joli, hein. Admettons-le, c'est beau. C'est propre. Donc, du coup, tout ça, hein, let's play en amont évidemment de la sortie de la prochaine génération de Pokémon le 15 novembre, si je ne dis pas de bêtises, épée et bouclier. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire est-ce que vous allez prendre épée ou bouclier? Elle a toujours pas le droit à sa chambre, la mère, et non. Bon, alors du coup, le professeur Chen, c'est ici. Petit lac. Est-ce qu'on parle à tout le monde? Le pouvoir de la science est formidable. On peut désormais connecter sa console avec son ordiphone. Enfin, je veux dire smartphone, pour échanger les données. D'accord. Laboratoire du professeur Chen. Bon, on va en direct. Hein. Ok. Bonjour tout le monde. Hey Kenevan, t'as pas vu le professeur Chan, il est pas là. C'est Pokéball, je me demande, tu crois qu'il y a nos Pokémon dedans? Ah, j'en peux plus d'attendre. De toute façon, je suis jamais chez WAM. D'après toi, oui, exactement, pirate, c'est ce que j'allais dire. Faut que j'aille chercher le professeur, là. Bonjour, madame. Le professeur Chan est l'une des plus grandes autorités en matière de Pokémon.
Cela lui vaut l'admiration de beaucoup de dresseurs. Qu'est-ce que tu fous, toi, glandé, là, avec ton thé? Ah, c'est un thé... Putain, comment ça s'appelle, ce thé vert? J'assiste le professeur Chang, je suis donc son assistant. Ah, ça, c'est une référence. Bah voilà, exactement, Ryu, merci. Il boit son thé macha. Ah, il est là, regardez, le professeur. Merci, brave petit Roukoul. Regardez-les, ces petits Roukoul. Oh, j'ai encore appris une nouvelle chose sur vous, hein. C'est fou. La vie n'est que découverte. Ah, faut que je me mouche. Tiens, Kenevan, quel bon vent t'amène. Attention, les hautes herbes. Ah oui, je dois vous donner des Pokémon, Aston Ectaprod et toi. Allons à mon labo, jeune ami. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais... C'est un Evoli. Oh, un Evoli sauvage apparaît. Oscure. Elles sont vraiment rares par ici. Bah tu m'étonnes. Normalement il y avait que Léo. Profite donc de cette occasion pour t'entraîner à la capture des Pokémon. Ouais. Pour l'attraper, lance une Pokéball sur lui et vise bien surtout. Pointez le Joy-Con en direction de la Pokéball affichée à l'écran. Dans cette posture, sélectionnez l'option lancer en appuyant sur le bouton A. Imitez un mouvement de lancer avec le Joy-Con pour envoyer la Pokéball. Faites attention à ce qui vous entoure lorsque vous exécutez le mouvement. Joli! Pardon, un petit peu excité. Toutes mes excuses. Oh, premier coup. Oh là là. Bon, en garantie, dans combien de temps je me cogne... Je fais ça et je me... Ah putain, je me fais trop mal. Parce que je veux lancer ma Pokéball. Dans combien de temps, vous estimez? Bon, formidable. Dans 2 minutes, c'est ça. Tu t'en sors très bien pour une première capture. Ah bah oui, je vois bien. Tu peux ramasser la Pokéball maintenant et donner un surnom à ce joli Evoli. Ah. Quoi? Oh, une Pokéball vivante. Incroyable, il ne tient pas en place. Ah, je n'ai jamais vu un loustique pareil. Un sacré zigoto. Dans 2 ou 3 feeds. Et attends, reviens ici, petit fripon. Petit fripon. Zigoto. 37. André-Loire. Eh oh, oh là là là. Le fond vert. Fond vert. Merci. Bon, professeur Chang, il n'y avait que 2 Pokéballs sur la table. La dernière fois que j'ai regardé, et maintenant il y en a 3. Comment ça se fait? Mais c'est normal! Kanevan vient de capturer un petit Evoli. Il est dans la 3e Pokéball. Ah, sérieux? Kanevan a fait ça tout seul? Wow! Pour l'instant, je gagne le nom du... Ah, le premier Pokémon est réservé, désolé. Wow, ça a bougé. C'est marrant, tiens. Ça, c'est marrant. C'est marrant de se marrer. Kanevan, l'heure est venue de choisir une Pokéball. Saisis-toi de ton destin. Je prends celui-là. On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Je prends celui-là. On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Je prends celui-là. On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Je prends celui-là. On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Je prends celui-là. On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Bon, ok. Salut, McDomi. Bon, du coup, je prends celui-là, hein. J'ai pas vraiment eu le choix. Seulement quand j'ai acheté le jeu. Ah oui, j'aurais dû prendre ce temps. Oh, il est trop mignon, il est mignon. Très bien. Bon, alors comment on va l'appeler? Moi, je le sais. Evoli est désormais votre Pokémon. Nice, c'est parfait. Ah dis donc, il n'est pas banal ce petit Evoli, il est très différent. Il a l'air vraiment très attaché à toi. Oui, oui, un surnom. Évidemment, on va surnommer tous les Pokémon. Oui. Alors évidemment, évidemment, on va l'appeler M. Non, non, M, A. Voilà, voilà. Évidemment, hein. Évidemment, en hommage à Malkavian qui est parti
3 mois aux États-Unis pour le travail, nous sommes obligés de l'appeler Malkavian. Et ça va extrêmement lui faire plaisir, à n'en pas douter. Des bisous, Malkavian. Finalement, Malkavian qui devient mon premier esclave. Quel enfer. Il a rejoint notre équipe, nice. Voilà. Bon, apparemment, Evoli est complètement pété dans le jeu. Bon, je vais prendre celui-là. Il va être très ému, exactement. Un Evoli avec un dérangement psychologique, cool. Allez, bisous à Kavian, hein, qui nous manque. Salut, Androcker. Ça va, et toi? Ok. C'est quoi? T'as pris quoi, toi? Ça tombe super bien, j'ai toujours rêvé d'avoir un Pikachu. Ah, il a un Pikachu. Il y avait quoi dans la troisième? Qu'est-ce qu'il y a dans la troisième? Un petit novice qui attrape lui-même son premier Pokémon, c'est pas courant. C'est même la première fois que je vois ça. Très bien. Est-ce que je peux toucher à tout? Des Pokéballs ont été placés dans une étrange machine. Non. Je vais sur son ordinateur, je peux aller sur mon Facebook, sur mon Snapchat. C'est un email pour Professeur Shen, lisons-le discrètement. Avis au plus grand dresseur de Pokémon, vous pensez être au sommet de votre art? Vous êtes en quête d'un nouveau défi? Alors venez rejoindre la foule de dresseurs qui se massent pour affronter le Conseil 4, QG de la Ligue Pokémon Plateau Indigo. Professeur Chan, nous attendons votre prochaine visite avec impatience. Mais c'est pas bien de lire les trucs. On ne saura jamais, quelle tristesse. Quel enfer. Bon allez, ouais, qu'est-ce qui se passe? Un instant, maintenant que vous êtes des jeunes dresseurs, j'ai une faveur à vous demander. Oui, d'accord. Et pour cela, je dois vous donner une chose bien utile. L'argent? Et c'est quoi? C'est un petit bijou que j'ai mis au point moi-même. Je vous présente le Pokédex. Il enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie high-tech. Vole une carte chez Stan, d'accord. En voici un pour... Ah oui, merci. C'est vrai qu'il y a que 3 maisons. Hein. Ma maison, la maison de Stan et, et le labo. Attention par contre, il ne suffit pas de voir un Pokémon pour automatiquement tout connaître à son sujet. Il faut réussir à l'attraper. Hein. J'ai toujours rêvé de créer un guide recensant les Pokémon du monde entier. Mais pour être honnête, je n'ai plus l'âge de pour tout ça. Hein. Alors je compte sur vous pour reprendre le flambeau et réaliser mon rêve. Allez, roulez jeunesse, que la grande quête des Pokémon commence. Exactement, Androcker. Un Pokédex, ça me parle. Rencontre un max de Pokémon, c'est exactement ce que je veux. D'ailleurs, je fonce direct. Prends ton temps, Kanevan. Vas-y à ton rythme. De toute façon, quelque chose me dit qu'on se recroisera très vite. Exactement, Keken. C'est le premier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Maman? Oh, mais il est trop gnon! C'est le professeur qui te l'a donné. Non, je l'ai capturé moi-même. Quoi? Tu l'as attrapé tout seul, comme un grand. Oh, mais c'est merveilleux, bravo! Et c'est quoi son petit nom? Malkavian! Enchanté, Malkavian! Eh ben, il a de l'énergie à vendre, ce petit. Ah bah, Malkavian est excité comme pas deux, hein. C'est un sacré zigote. Donc, ça y est, vous partez à l'aventure tous les deux. Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ah bah, j'ai la carte. Pas besoin d'aller la chourer. Vous mettez la carte dans le sac. En ouvrant la carte qui est dans ton sac... Merci McDemy pour le follow, merci, bienvenue à toi. En ouvrant la carte qui est dans ton sac, tu sauras exactement où tu te trouves. Allez, je vous laisse vous amuser, mes amours, profitez-en bien. D'accord. Bon, y a pas une extension à la con pour qu'on tire au sort? Bah, un des 100, ça sera très bien. Hein. Salut, toi. Et j'élève des Pokémon. Quand ils sont assez forts, ils pourront me protéger. Mais t'habites où, du coup? Dans quelle maison? On va quand même aller voir chez Stan. Hein. Bonjour. Alors comme ça, Stan et que ta prod et toi avez reçu un Pokémon? C'est super. Attendez, regarde un livre. Prenez soin de votre Pokémon et il vous rendra au centuple. Oh, regardez, je vais faire des petites caresses, des petits mamours. Malkavian inspecte la pièce et reniflant. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent trouver des objets cachés. Qu'est-ce que c'est que cette photo dégueulasse? C'est une photo de Stan et que ta prod. Mais il est ignoble. Il nous fait peur, Stan et que ta prod. Ah, par contre, il n'y a pas de chambre dans cette pièce. Il y a une maison sans chambre. Finalement, on a la meilleure maison du patelin. Ah oui, c'est vrai que du coup, ils sont en IRL. Il n'y a pas de combat caché dans les hautes herbes. Tu vois toutes ces petits talus? Tu peux les enjamber d'un bond. Ça fait un peu peur, mais ça permet de revenir plus vite à Bourpalette. Et surtout, ça permettait d'éviter les hautes herbes des morts, de ces morts. Bon, un petit roucoule, là. Putain, viens là, toi.
On parle. Ah, attention qu'il va être trop cool, hein. Indécent, en fait. Point d'exclamation, indécent. Mais putain, 1, le chiffre, D, la lettre, et 100, chiffre attaché. Je lance ma Pokéball. Pas du tout. 19. Pas du tout. Ah, il faut vraiment que je sois comme ça? Attendez. Mais non, mais pas du tout! Mais pas du tout! Mais c'est... Pourquoi c'est trop fort? Mais pas du tout! Faut lancer plus fort, mais pas trop non plus! Voilà. Merci. Merci pirate. Alors c'est qui a fait le plus gros? 43. Ah, faut la modération, faites votre travail, hein. Elle est beaucoup, elle a coûté 5 000 $, j'avoue. Faut viser d'abord. Ah, c'est le plus grand qui gagne. 81, c'est moi. Arvidac. 46. La modération. Y a pas eu celui d'Arvidac du coup? Ah oui, parce que du coup la commande, faut refaire du coup Arvidac. Parce que on peut pas la spammer en fait. Il y a quelques secondes de. Bon, cool, l'argent, votre équipe, très bien. Et... Attendez. Merde, c'est X. Non. Quoi? Équipe. Oh, 98, putain, Arvidac. Bon, bah, il s'appelle Arvidac. Alors, si je... Alors, Arvidac. Évidemment, c'est que les nouveaux. Si je Là, je vais reprendre d'autres trop cool, évidemment. Arvidac, je fais pas de faute avec AK, c'est ça. Arvidac, oui, c'est ça. Attendez, je vérifie hein, quand même, ça serait la honte. Enfin, cela dit, on peut rechanger à l'infini, a priori. Donc là, si je reprends d'autres trous cool, on s'en bat les couilles. Hein. D'accord, c'est chaque nouveau Pokémon. Genre là, après, il y a un Rattata. Oh, il y a un machin. Attendez, je vais choper lui là. Je suis au réseau H+, mais je fais quand même coucou. Des bisous à Smo, Chétiflore, merci. Ah, dans un let's play, j'étais un Chétiflore. Et j'étais après transformé en Piflore à la fin. Et à toute la fin du let's play, j'avais dû mimer le son de mon Ampiflore. Et c'était du génie. Des bisous, Yoko. Alors, faut que je vise d'abord, on a dit. Ah, voilà. Regarde. C'était ça le problème. Le vieux de pourri. Alors par contre, je vous laisse gérer en interne. Vous me dites comment faut que je les appelle, hein, parce que ça va vite. Donc on a 68. 68, bravo. Moi j'étais un Rakayu nice. Putain, 96, Ardre. Putain, vous êtes tellement ouf. 96 de folie. Putain. Ah, je pense qu'on peut déjà l'appeler Hardrocker 49. Bon, on va juste appeler Hardrocker. Ah putain, encore un autre 96. Putain, mais vous êtes chaud du huc. Ah. Oh là là. Ah mais non, il y a eu triche de McDomi, en effet. Oh, ce Asmo des enfers. Asmo des enfers. Oh là là, bon bah... Ah mais je vous avais déjà expliqué à quel point Asmo était chanceux. Je lui peux pas tester ma chance au dé, je confirme. Incroyable. C'est que t'avais déjà un roll le dice. Bon alors du coup on l'appelle évidemment Asmo. On va le garder dans notre équipe celui-là. C'est garanti qu'on a un chef kiffleur dans notre équipe. Changer le surnom. Ah putain, ce Asmo des enfers. Bravo Asmo. Ok. Hop. Hop. Et ok. Bravo.
Ah non, mais moi j'ai joué à... Non, mais c'est pire que ça, Rocker. C'est horrible, j'ai joué à un jeu de dés contre Asmo. C'était ignoble. Bon, attendez, il reste un... Oh putain, le Ratatak a disparu. Bonjour. Celui-là, personne, on s'en fout, hein, on le mettra à la poubelle. Il y a Evoli qui a trouvé un truc à droite, ok. Mais non, putain. Oh, excellent. Il s'en succède exactement. Bon, celui-là, il sert à rien. C'est pour les... Parce que ça fait XP quand on les... Vu qu'il n'y a pas de combat, ça fait pex les Pokémon, donc du coup, on est obligé d'en capturer. Oh, il a... Arvidak a pris Tornade. Nice. Hop. Oh, ok. Bon, c'est fastidieux, par contre, mais... Il avait sniffé un truc, à droite. Plus haut. Oh, le Ratata. Allez, qui veut le Ratata? C'est parti pour le Ratata. Le 42. Bon, ceux qui ont déjà un Pokémon, vous pouvez plus jouer, hein, évidemment. Oh, trop nul. Putain, mais... Je suis à 78 pour Keken. Ah ouais, je sais pas pour... Ah ouais, peut-être parce que... Ok. Bah ça va être Keken, hein, je crois, c'est ça. Merci, pirate. Ah oui, il a trouvé un truc là. Oulou. Mais c'est où? Ça y est, j'ai trouvé. Mais non, mais je m'en fous. Malkian a trouvé quelque chose dans le bus. Ah, il fallait parler au Pokémon. Une baie frambie. Nice. Vous mettez la baie frambie dans la poche de capture. Ok. Équipe. Alors, le Roucoule, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on... Comment on fait? Déplacer. Ok. Sinon, le puits. Déplacer. Changer son nom. Autour. Et comment je peux le... En fait, je vais juste le barrer tout court, en fait. Résumé. Comment je le tège? Genre, je veux le relâcher. On va renommer le Ratata. Y. Ah oui, la boîte. Classé, recherché. Ah oui, là. Et déplacer, retirer de l'équipe, déjà. Ok. Information, changer le surnom, marquer. Vas-y, je marque à ce mot. Pokémon favori. Ah oui, je lui ai mis un petit symbole de Pokémon favori. Excellent. Et là, on va le renommer Keken. C'est ça, hein. Des bisous à ce mot. Les Keken Aïen. Hop. Très bien. Belle équipe, hein. Une belle équipe qu'on a là. Et lui, il nous dit quoi? Oh, il est joli le Pokémon qui t'accompagne. Moi aussi, j'en ai un. Je vais aller le chercher et après, on se fera un combat. Vas-y, je vais te niquer ta gueule. Première ville. Jadiel. Alors, astuce. Quand vous vous retrouvez à court de Pokéball, réapprovisionnez-vous à la boutique Pokémon. Ah oui, il va falloir, hein, parce que moi, je sais pas très bien lancer. L'autre, il est perdu, regardez. Qu'est-ce qu'il est parti foutre là? Il est perdu de l'univers. Donc, dans le menu, on a le Pokédex, d'accord? Je regarde un peu vite fait le menuing. Tellement long à charger. Ok, ça c'est le Pokédex classique, très bien. Ensuite, on a notre sac, ça se barre comment? Avec la boîte Pokémon. Ah oui, on a accès à la boîte Pokémon ici, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a pu avec Y. La trousse de soins, les boîtes de CT, les poches de renfort, poches de combat, la carte. Merci à Drucker. La carte. Ok. Oh, elle est mignonne. Ah, oh, sympa avec le numéro des routes.
en blanc ce qu'on a déjà fait. Et la petite photo. C'est sympa. La carte est plutôt bien faite. Te. Elle est jolie. Tu peux relâcher tes Pokémon depuis la boîte. On va regarder. L'équipe, du coup, ça c'est le online et la sauvegarde. En sauvegarde. Petite sauvegarde. Ok. Et là, depuis équipe, si je fais Y, j'ai accès à la boîte Pokémon, d'accord. Alors, genre, si je veux plus classer ou chercher déplacer. Inclure dans l'équipe déplacer, information masquée. Transférer au, au professeur. Ah, voilà, c'est là. Y. Ça sert à quoi? Vous avez reçu un message de sa part. Merci pour le transfert, ça va bien m'aider dans mes recherches. Laisse-moi donner un petit quelque chose pour te récompenser. Connais-tu les bonbons? Il te suffit d'en donner un. Ah oui, alors ça c'est comme dans Pokémon Go du coup. Bonbons Sprint S. Ah oui, donc ça vaut vraiment le coup d'aller en récupérer plein. Tu m'as transféré un Pokémon jusqu'à ma présence, c'est bien, continue comme ça. Ah oui, plus je vais lui enfiler. Ah oui, donc ça vaut vraiment le coup de lui enfiler plein à la fois. Et plus on va lui en donner, plus on va avoir des récompenses. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien. Tu as bien braconné, tu as un bonbon, exactement. Ok. Alors. Il y avait la Team Rocket. Pour soigner ses Pokémon, évidemment. Quand tu attrapes un Pokémon, il est envoyé dans la boîte Pokémon de ton sac. Oui, oui. Le gentleman. N'hésite pas à consulter les magazines rangés sur le présentoir. L'infirmière m'a dit qu'on pouvait se servir. Elle est tellement gentille. Ouais, gentille. Il y a un centre Pokémon dans chaque grande ville de la région. Tu peux y soigner tes Pokémon gratuitement. Ok. Bon, les infos, hein, les infos de base. Les bombes. T'es déjà battu contre un dresseur. Et ben, même si ton Pokémon a une meilleure vitesse que l'adversaire, c'est lui qui agira en premier. Qu'est-ce qu'il raconte? J'avoue que Pépé, le gentleman pervers, on a bien compris ce qu'il voulait dire. Bon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le shop. Attendez. Il a trouvé un truc. Faut que je lui parle à lui. Il est content, Malkavian. Qu'est-ce qui se passe, Malkavian? Il admire les fleurs ondulant sous la brise. C'est tout? Tu m'emmerdes pour ça? Est-ce qu'on peut shooter son Pokémon? Hey, tu viens de Bourg-Palette? Tu connais le professeur Chan? Je devais lui apporter un truc, mais je suis débordé, c'est pour ça que j'attends devant ma boutique. Je suis en train de... je suis débordé, je suis en pause clope. Est-ce que tu pourrais me dépanner et lui livrer ceci à ma place? Ah, super, merci. Vous mettez le colis dans le sac. Merci, tu me sauves la mise et passe le bonjour au professeur de ma part. Non. Oh, je pouvais me TP. Ah bah non, mais on fait le chemin... On fait le chemin nous-mêmes. C'est parti. Bon, lui, t'as récupéré ton Pokémon? Oh putain, mais dépêche-toi, moi je veux me fighter. Un Roucool. Exactement. Attendez. Oh non, pas assez fort. Putain. C'est pas pratique sur le bureau. Hein. Plus fort. Oh bien sûr, après on ira chercher tous les shiny. Hein. Et on mettra la liste de tous les shiny là. Quel enfer. Oh, monter de niveau d'Asmo, nice. J'avoue, exactement, pirate. Bon, celui-là, on l'appelle Roucool, exactement. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux pas le péter direct. Bon, c'est pas grave. Allez, Roucool. Bon, évidemment, on les capture, hein. C'est comme ça qu'on pexe, donc on n'a pas le choix. J'ai plus combien, 33 Pokéball. Ah ok. Qui veut d'elle de pied à midi. On va bouffer du Roucool. Du coup dans ce jeu, il y a que les fights de dresseurs, il y a plus de fights random. Ah la montée de niveau. Kaif c'est Gaiden. Combo capture. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a les shiny. Il faut faire des combos capture. Il faut capturer en boucle le même Pokémon. Alors, est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce que finalement, là, on essaierait pas de choper un Roucool shiny?
Quel enfer. Pas du tout. Ok. Bon, professeur, j'ai quelque chose pour vous. Ah, déjà de retour ? Ah, comment ? Ah oui ! Ça y est ! Je suis maître de la Ligue Pokémon ! Ça m'a mis... ça m'a mis 40 minutes ! Bravo ! Ok, comment... Oui, ça va. Attends, on dirait qu'il a une idée derrière la tête. Malkavian, qu'est-ce qui... Oh non ! Qu'est-ce que tu fais, Malkavian ? T'as quatre pattes ! Tu peux marcher ? Oh, pire qu'un gamin ! Pire qu'un gamin d'un an qui sait marcher mais qui a la flemme et qu'il faut porter. C'est ça. Bon, c'est un signe qui ne trompe pas. Tu seras un grand dresseur, hein, je te le garantis. Comment ? Tu as quelque chose pour moi ? Ah mais oui, c'est ma commande. Mais c'est gentil de me l'avoir apporté, mon petit. Professeur, vous devinerez jamais ce que mon Pikachu a. Genevan, comment t'as fait pour que ton Evoli monte sur toi ? Ah, c'est trop stylé. Ah, tu tombes à pit que Stan. Et j'ai une chose à vous donner à tous les deux. Oh, des Beframbis. Evoli poids 6,5 kg sur la tête. Tout va bien, j'avoue. Il va chier dessus, le con. Ah, ça serait bien le genre de Malkavian. Vous mettez les Beframbis dans la poche de capture. Ah, bien. Ah, ça a l'air bon. Ah, ne fais pas l'idiot, Stan. C'est pour les Pokémon, pas pour les humains, voyons. Quand vous voudrez capturer un Pokémon, hop, donnez-lui une petite baie et... avant de lui lancer une Pokéball. Il sera tout content et se laissera capturer plus facilement. Eh oui, Stan, mon rival. Stan Nectaprod. Ah bon, sérieux? Dans ce cas, je vais m'abstenir d'en manger, hein. Bon, les enfants, sachez qu'il n'y a pas de recette toute faite pour devenir dresseur Pokéfion. Certains se piquent de capturer un maximum de Pokémon. Un petit mashupper sur la tête. D'autres préfèrent se concentrer sur le perfectionnement d'une poignée d'entre eux. Tout est possible, voilà. Tout est sous F5, n'écoutez que votre cœur. Et surtout, amusez-vous. Ah bah on a... Eh alors là, fallait être là au début du stream et on a essayé l'arrobase. Hein. Mais on pouvait pas mettre d'arrobase. Mais c'est forcément toi, regarde. Et il y avait que 12 caractères maximum. On a fait ce qu'on a pu. Mais c'est garanti. On a vu une photo, c'était toi. Bon, salut. Moi je joue tout plein de Pokémon, mais je veux aussi en prendre soin et les entraîner pour qu'ils deviennent forts. Ok, c'est temps. Hey, tu sais, il n'y a pas que la capture de Pokémon dans la vie. Il y a aussi les combats entre dresseurs. Attends, je vais te montrer comment ça se passe. Regarde! J'ai vu le Twitch clip. Ah putain, tu t'es fait déjà alpinguer par un Twitch clip. C'est beau. Stan et que t'apprends, le dresseur veut se battre. Oh, on voit Pikachu! Oh là, là, il faut envoyer notre Asmo. Type plante. Malkavian, regardez, reviens! Asmo, c'est à toi! Regardez, il va se faire défoncer le... il va se faire défoncer à ce moment. Mais au pire, c'est juste pour le plaisir. Mais attention, parce que je connais les types. Hein. Allez, attaque éclair contre un Pokémon plante. Et voilà, j'ai rien senti. Tu veux te... Ah oui. Ah, tu crois qui? Tu veux te battre? J'ai rien senti. Ah putain. Bon, par contre, il pouvait attaquer à ce moment. Qu'il faut, Eliane, à ce moment. Bravo, Asmo. Je me fais cristal en ce moment. Ah! Vous adorez les Pokémon, hein, je vois finalement. Moi, je pensais que ça allait faire chier tout le monde, mais... C'est là, très beau, hein. Attaque Fouillian, Asmo! Attention à toi! Oh, très beau combat d'Asmo. Et regardez le peu d'XP qu'on gagne pendant les fights. 31 points d'expérience seulement. Oulala, Asmo. Asmo monte au level 6. Oh, plus 1 en DefSP. C'est vrai que la musique est enjaillante. On dira ce qu'on voudra de Pokémon, mais la musique est enjaillante. Malkavian a gagné 31 points d'expérience. Le reste de votre équipe a gagné des points d'expérience. Roku monte au niveau 4. Ah oui, c'est vrai qu'on a déjà le multi-XP de base. Ah bah alors ce temps il était à chier. Hein? Mais tu te débrouilles super bien en fait. Ah, donne-moi des sous, putain. Je t'ai niqué la gueule, donne-moi tes sous. Faut que j'aille acheter des Pokéballs. On va dire que je croyais t'apprendre des trucs. Ah mais ce temps. Je suis plus vieux que toi.
Normal, j'ai plus d'expérience. J'aurais dû m'entraîner un peu avec mon Pokémon plutôt que tenter ça à l'arrache. Bon allez, j'ai plein de Pokémon à capturer. J'ai hâte qu'on remette ça. Bon, Kaneman, c'était ton premier combat. Ça a dû être une véritable aventure pour ton Evoli. Bah, Evoli, il a pas fait grand-chose, je t'avouerai. Hein. Bon, allez, salut, à plus. À plus sous le bus. Allez. Ah bah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bonjour. Kaneman. Oh, avec Evoli persuasion sur toi, on voit direct que vous êtes déjà complice. Dans ce cas, ça tombe bien. J'ai pile ce qu'il vous faut. Oh, j'ai gagné une tenue relax. En mode relax. Oh, nice. Vous rangez la tenue relax dans votre mal à costume. C'est une tenue pour ton Evoli. Comme ça, vous êtes assorti. Ah, tiens. Non, mais... J'ai pas habillé mes Pokémon. Ah, Malkovian est absolument ravi. Ah, on peut jouer avec Malkavian. Faites glisser le curseur en forme de main sur Malkavian pour le caresser. Appuyez sur le bouton ZR ou le bouton A pour le tapoter. Appuyez sur le bouton Y pour recentrer la main au milieu de l'écran. Il aime pas. Là, il aime bien. Je sais pas si j'ai encore le combo Roucool, peut-être. Je pense. Ok, c'est bon. Ah, t'en as évolué, envie de jouer, on dirait. N'oublie pas de le chouchouter de temps en temps. Ah. Vous pouvez jouer avec votre partenaire à tout moment. En appuyant sur le bouton X. Ok. Oh, on va pas mettre un gilet à notre Yorkshire, ouais, c'est ça. Attendez, on va voir. Jouer avec Malkavian. Non, c'est bon, on a assez joué. Communication. C'est quand on... C'est dans cet écran-là? Non, c'est dans les objets. Dans mon sac. Ma malle à costume. Regardons ça. Choisir une tenue pour Malkavian. Oh, je peux lui mettre une casquette relax. Putain, oui. Dégueulasse. Oh là là. Une petite veste. Non, c'est bon. Hop, c'est enlevé. Et moi, j'ai rien. Ok. Ok, super. Par contre... dans mon équipe. Ah, bah voilà, sortir de la Pokéball. Non. Ah oui, d'accord, c'est sortir de la Pokéball comme ça, ok. C'est pour qu'ils nous suivent. Y. Boîte Pokémon. Putain, il est Y, il est là. Le Roucool. Retirer de l'équipe. Ah oui, il faut d'abord retirer de l'équipe. Et après, je peux les envoyer. Ok. Tu peux pas t'emballer dans ce clip. C'est dommage. Bon, voilà. Des bonbons sprint. Super. On va pouvoir les gaver de bonbons pour votre plus grand bonheur. Ok. Tu m'as transféré 3 Pokémon jusqu'à présent. C'est bien, hein, continue comme ça. Alors, est-ce que, du coup... Regardez ce qu'on va faire. On l'adore. Regardez notre Asmo qui nous suit partout. C'est parti. On va voir si le combo est toujours présent. Attention, on passe choper un Rattata. Regardez comment il court, il est ridicule. Attendez, on veut un Roucool. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Merci encore, hein, pour tout à... Mais qu'est-ce qu'il fait? On a plein de trucs sympas à la boutique Pokémon, n'hésite pas à venir faire... Mais le mec, il bosse jamais. Mais le mec, il m'a fait... Il se fout de ma gueule. Merci pour la potion. Il arrive que les Pokémon soient blessés lorsque leurs destins s'affrontent. Dans ce cas-là, donne-leur une petite potion, ils iront tout de suite mieux. Oh, le mec, il se fout de ma gueule. Regardez-le courir, ce Asmo. Bon, y'a pas un petit Roucool, là? Petit Roucool vite def. Attention. Déchet Tiflore. Je passe ici, j'ai pas peur. Pas de Roucool. Mais que moult Rattata. Ah, il veut se battre. J'aurais tellement fait un stream avec le marmot pour balancer des Pokéballs à deux. Ah oui, faudrait que je teste un moment. Bon, on fera un épisode. Salut Bobox, du coup. On pourrait faire un épisode comme ça pour essayer à deux joueurs.
Il serait trop content. Ok, tu veux te battre? Il envoie un ratata de ses mœurs. Un Malkavian, hey go! Moi, je me fatigue tout seul. Attaque. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Charge, mini-queue, rugissement, vive attaque. Alors avec Y, j'ai toutes les infos. Puissance 40. Et la charge, c'est puissance 40 aussi. Bon, autant faire une vive attaque. C'est parti. Oh, putain, que la casque est ridicule. Allez, on va le tabasser pour lui poiquer son pognon, en effet. J'ai des Pokéballs à acheter, moi. J'ai un train de vie, hein. Attaque, vive attaque. Et dépêche-toi, Malkavian. Zbli. Allez, ce qui est meilleur, là. Pim, 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 pim. Le reste de votre équipe gagne des XP, très bien. File-moi ton pognon. Ah, mais tu es trop fort, 60 balles. Oh, avec ça, j'ai même pas acheté 3 cure-dents. Descends, raquette. C'est une technique de DBZ, exactement. Bon, un petit roucoule, là. Je tombe dans les autres herbes. Je... Oui, là, vite. Ah, mais viens là. Ouais. Un poké dollar égale un roupie. Est-ce que ça marche, le wombo? Excellent! Alors, pour les pros du jeu, il n'y a pas une technique pour les bazarder plus rapidement que passer par tous ces 20 menus. Et on va vite voir s'il y a le wombo. Oh, ma Kavian niveau 8, tellement chaud. Arvidac niveau 7, tellement hoche. Keken niveau 5. Très bien. Ah oui, c'est bon, combo de capture. Continue comme ça. Ok, bon bah la réponse est bonne. Oh, il est encore là, putain, instant, et qu'est-ce que tu fous? Ah bah tiens, te voilà, c'est quoi ce grand sourire? Quoi? T'as battu un autre dresseur? La classe! Au fait, t'as déjà dû le remarquer, mais pendant les combats, les Pokémon ont tendance à perdre des PV ou des PP. Quand c'est le cas, faut pas hésiter à aller faire un tour dans le centre Pokémon pour les faire soigner. C'est gratuit, surtout Malkavian, faut le faire soigner. C'est gratuit, ça ne prend qu'un instant. Ah, on va lui donner 2-3 Prozac. Et tout va bien se passer. Après l'effort, le réconfort, ne l'oublie pas. Allez, ok, super, merci. Ok, merci pour les infos. Bon, on va aller acheter des Pokéballs et clôturer l'épisode. Premier épisode de cette saga. Tu peux pas le soigner, c'est sa malédiction de clan. Merde. C'est vrai que c'est beau. Salut. J'ai 3000 balles. Acheté. Je veux des Pokéballs. Bon, bah, il en faut, mais de toute façon, il en faut l'avatar basse. Hein. 30 Pokéballs. Hein. J'ai des Pokéballs gratos. Parce que j'en ai par 10. J'ai pas une gratuite par 10. Ah, voilà. Nous vous offrons 3 Honor Ball en cadeau. Vous rangez les Honor Ball dans la page de capture. Merci. Premier tir. Le tir payant. C'était autre chose. Non, c'est bon. Ok. À bientôt. On espère de vous revoir, oui. Putain, mais ce Asmo qui nous suit partout. Eh ben écoutez, YouTube, je pense que nous allons clôturer ici notre premier épisode sur ce Pokémon Let's Go. J'espère que vous serez présents sur YouTube. N'hésitez pas à pause blow, tout ça sur le premier épisode. Un petit commentaire pour le référencement. Quoique Pokémon, ça sert à rien de se faire référencer, donc vous agacez pas et vous énervez pas pour ça, hein. Finalement. Ça ne sert plus à rien. On est trop en retard, là. On est trop en retard pour être référencé. Quoique, n'hésitez pas. Des bisous YouTube et à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à passer sur les streams si vous voulez un Pokémon à votre nom. À bientôt.